juin 1940, depuis Londres, le général de Gaulle appelle les Français à refuser la défaite et à poursuivre la guerre par tous les moyens disponibles, partout dans le monde. Refusant l'abaissement de la France, il conclut son appel en déclarant, quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Tout au long des années sombres de l'occupation, la voix du général continuera, après le 18 juin, à accompagner les Français. Cette voix, pour ceux qui l'entendaient, mais aussi pour tous les autres qui savaient simplement qu'elle vibrait, ce fut la voix de l'espoir. Défi au présent, capacité à se projeter dans l'avenir au moment où la France a baissé les armes, cet appel est un commencement. Il annonce au moment même de la défaite le redressement de la France. L'appel du 18 juin 1940 résonne encore dans la mémoire de celles et ceux qui constituait alors l'avant-garde d'une lutte pour défendre une certaine idée de la France, de la République et de ses valeurs, liberté, égalité, fraternité. Nous sommes ici pour témoigner devant l'histoire que de 1939 à 1945, ses fils ont lutté pour que la France vive libre. Cette phrase dit à elle seule tout le sens de l'engagement de ses combattants jusqu'au sacrifice suprême. Que cet engagement et ce sacrifice qui permirent à la France d'être ce qu'elle est aujourd'hui demeurent un exemple pour les jeunes générations. Kader Arif. Merci, Monsieur le maire. Discours prononcé à la radio de Londres le 18 juin 1940. Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Certes, nous sommes submergés par la force mécanique, terrestre et aérienne de l'ennemi. Infiniment, plus que le nombre de chars, ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous font reculer. Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui ont surpris nos chefs au point de les amener là où ils sont aujourd'hui. Mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non. Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et vous dis que rien n'est perdu pour la France. Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Car la France n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle a un vaste empire derrière elle. Elle peut faire bloc avec l'empire britannique qui tient les mers et continue la lutte. Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser sans limite l'immense industrie des États-Unis. Cette guerre n'est pas limitée au territoire malheureux de notre pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de la France. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a dans l'univers tous les moyens nécessaires pour en écraser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons les vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Le destin du monde est là. Il a rendu les fils sous du pays.
La Marseillaise. L'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras égorger nos fils et nos campagnes. Aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, d'un sang impur, abreuve nos sillons. Messieurs les porte-drapeaux, s'il vous plaît, quittez votre emplacement. Oui.